Bonjour mes braves soldats. Comme vous le savez, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. J'ai connu la galère, mais grâce à vous, la joie peut à nouveau faire partie de ma vie. Comme vous le voyez, j'ai pu m'offrir grâce à vos dons un petit cadeau d'une grande valeur. En tant que fan de manga, il était de mon devoir de me procurer cet objet promotionnel, seulement sorti en 1200 exemplaires dans le monde. Je vous montre, c'est parti. Cette boîte carrée aux inscriptions japonaises. Oh, et le délicieux bruit de l'ouverture me fait de l'effet. Voyons voir à l'intérieur. Forcément, une notice explicative par rapport à la rareté de l'objet. Et le tout en japonais. La boîte en feutrine avec Saint Seiya écrit en or, c'est doux et on sent que c'est robuste. La finition est exemplaire. On en a pour son prix chez Primiko. Voici une photo de près afin que vous puissiez mieux voir. C'est beau, hein? Un cran d'ouverture se fait ressentir quand on ouvre la boîte. Oh, qu'elle est belle! Voici une façade interchangeable pour la montre en finition or. Mais mon instinct me force à tout de suite sortir la beauté qui sommeille dans cette boîte. Oh my god! Oh my j'enfante! L'ensemble de la montre en platine finition or brille de mille feux et le cadran qui représente tous les signes du zodiaque est juste sublime. Les chiffres romains sont lumineux dans la nuit après exposition à la lumière. Voici le certificat d'authenticité qui montre que le produit vient vraiment de Primiko, déjà connu pour divers produits dérivés de qualité. Ensuite, une notice qui montre comment la régler, comment changer la façade et qui même explique que la montre est étanche jusqu'à 30 mètres. Je suis vraiment heureux d'avoir pu obtenir cette montre qui est la 692e sur 1200. Je vais pouvoir continuer d'être swaggy et aller de l'avant. Car quand on aime la vie, on aime le passé parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans notre mémoire humaine. Merci d'avoir été là pour cet unboxing. Merci pour vos dons. Continuez de vous quicher comme on pourrait quicher une banane par exemple. Voilà. Et n'oubliez pas, des va et des viens. Je suis Jean Fante et je fais des fentes. N'hésite pas à t'abonner. Jean Fante, il est stylé. Jean Fante, il a le swag depuis qu'il est petit. Ne soyez pas jaloux.